Mais moi, tous les week-ends, je solde toujours par une musique qui reste en tête. Vous voyez, quand vous partez par exemple en boîte, vous avez assisté à une cérémonie, tout ça, il y a une musique qui reste en tête, qui vous trottine, tu vois, qui repasse en boucle, qui vous rappelle comment la soirée ou bien le week-end a été intense. Ouais, c'est comme ça, c'était un peu mon cas. J'ai écouté du Luxon Pado, du Labalaba tout le week-end. Bon, après, j'étais à Yopougon, Sikoji. Après, j'ai fait un tour à la place Sépin. Donc, c'est normal. Bon, bref, j'arrête de vous raconter ma vie. Merci à tous. Merci d'être avec nous. Premier numéro de la semaine. Alors, obligé que les beaux-parents préviennent avant de nous rendre visite. C'est le sujet de ce soir. Je vous vois venir. C'est quel sujet, ça, là même? C'est la même, l'émission, là, toujours dans les sujets bizarres. Mais écoutez, par ici, notre socle, c'est de parler des sujets qui vous intéressent forcément, des sujets qui citent dans votre quotidien. Et ce sujet, je suis sûre qu'il est le socle d'embrouille de plusieurs couples. Donc, il mérite qu'on en parle. Sur ce, rendez-vous dans l'instant débat. Alors, étant donné que joindre l'utile à l'agréable, c'est notre dada, comme un manteau autour de l'instant débat, autour de cette émission, même vont s'agripper des instants utiles et agréables, à savoir le coup de gueule avec Adaïe, le retour de week-end qui se fera avec Stoney. Adaïe et Stoney qu'on retrouvera en fin d'émission, juste après le débat et avant l'instant invité pour parler du chant avec Stoney. On dira ça comme ça. Il nous fera chanter. On fera ça comme ça. Et juste après tout ceci, il y aura un petit quiz musical, pourquoi pas, si on a encore du temps. Merci de vous détendre avec nous. Sur ce, madame, messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce tout premier numéro de la semaine. Même si votre journée elle a mal débuté, même si cette semaine a débuté avec un pincement au cœur, ne vous inquiétez pas, par ici, on vous conduira au bal de la joie de toutes les façons pour suivre cette émission. Le port du sourire obligatoire. Alors, la team de ce soir est composée de Stoney et Adaïe. Vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Très bien. Ça va très bien, bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous suivre encore ce soir. Vous êtes au rendez-vous de la bonne Comme humeur. d'habitude. Et puis, elle dit quoi même dans la phrase? Au rendez-vous de la bonne humeur et De de quoi? quoi? Il n'y a pas Où la le sourire, mélancolie, de le quoi? rire, Le la sourire au mélancolie a fait quoi? La La mélancolie a fui et puis mélancolie. est partie vers le sourire. C'est trop compliqué. C'est qu'elle est sûre. Bonne arrivée. Mon cher. Vous êtes bien sûr d'être. Est-ce que vous parlez? Tu peux dire quoi, Elima? Il n'y a rien dit. Au bal de la bonne ambiance, c'est ça? C'est bon. Demain, on va. Je préfère plutôt me concentrer sur ce contenu. Et on rappelle que ce soir, vous avez rendez-vous avec le retour week-end, le coup de gueule, l'instant invité, la Lucane débat, chante avec Stoney. Et si on a le temps, je dis bien si on a le temps, on fera sûrement un quiz musical pour enchaîner un peu notre invité, connaître un peu ses connaissances musicales, pourquoi pas. Sur ce, c'est parti pour le retour week-end. Retour week-end. Adaïe, on démarre avec toi. Alors moi, j'étais au Palais de la Culture. J'étais au concert de Maman Savanala. Elle a fêté ses 30 ans. Franchement, c'était vraiment un concert vraiment, on va dire comme haut niveau, quoi. C'était vraiment très intéressant. Et il y avait la présence de plusieurs artistes là-bas, hein, tels que Maman Antoinette Alani et Bleu Brigitte, pardon.
Faut dire que ce concert-là, franchement, c'était... On ne s'attendait pas à ça. On va dire qu'elle a fêté ses 30 ans. On se disait que bon, elle va nous montrer quoi. Et puis, bim, elle a montré de quoi elle est capable. Franchement, bravo encore pour ce concert-là. C'était vraiment un concert réussi. Et puis, on te fait plein de bisous, maman. Voilà. Tout ce que je retiens, elle n'a pas fait partie de la team Potoman. Non, non, non. Tout sauf ça. Aïe! Tout sauf ça. Poto, tout sauf ça, non. De toute façon, on dit, bah, lui, fait concert, puis tu as parlé de Poto. Pourquoi? Le président, même, c'est qui même? Ça va président pas. De qui? Jacques Traboussi. Lui-même, et puis lui-même, il a chanté, et lui, il est courageux. Hein. Mais il n'y avait personne, lui, il a chanté. Il non, a mais chanté. C'est ça, un artiste. Et puis, il y avait un, lui, qui dit, il est fort. Il a regretté, il a regretté, il dit, il a regretté Serge Cassie aussi. Serge Cassie, oui. Non, mais Serge Cassie, là-même, il a chanté. Non, mais c'est ça, un artiste. Mais il n'y avait personne, franchement, il faut tout prendre du bon côté, tu vois. Le bon côté de ça, là, moi, je ne peux pas. Non, mais après, ça fait un concert privé. Et c'est les privilégiés qui étaient dans la salle. Et puis tu sais ce qui était bizarre, ceux qui ont payé les tickets de 100 000, c'est 4 000, tous les, se sont retrouvés devant, ceux qui ont payé les tickets de 10 000, tout le monde était devant. Et là, il n'y a pas fait de dire que, oh, passe ici, oh, non, 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 tout le monde était devant. Non, mais c'est un concert, comme ça, c'est bon, convivial. Ouais. Tu vois encore, où bon. On sent la chaleur et la ferveur de l'artiste, tu vois un peu. Voilà, ça c'est un concert, pas n'importe qui parle là-bas. Non, non, non. C'est un concert de haut, cas, haut niveau. Pour le concert de Maman Savanala, c'était tout son poteau. Hein. Franchement, les Baoulés étaient vraiment présents. C'est pas seulement que les Baoulés, il y avait plusieurs personnes aussi. Vraiment, c'était vraiment un bon concert. Donc, bisous à toi. Voilà. Bon concert, chic. Alors, Tony, ton côté. Oui, nous, on quitte le Palais de la Culture pour le VIP Sofitel Hôtel Ivoire pour deux spectacles. D'abord, la soirée à l'ambassade avec ambassadeur Agalawa. C'était le samedi 8 juin. L'humoriste ambassadeur a fait son 7e one-man show qui a eu lieu, comme je vous ai dit, au Sofitel et qui avait pour thème soirée à l'ambassade. En fait, dans ce spectacle, c'est vraiment un mélange de musique, de danse traditionnelle avec la compagnie de danse Annie Mouniam et de musique, on a, et même d'humour aussi. On a eu même droit à bébé sans os de main là-bas. Il faut dire que c'était une belle expérience. Il y a eu plusieurs personnalités comme le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, Mas Gradel et sa magnifique épouse. Et il a abordé plusieurs thèmes de société. Il est resté à lui-même, ambassadeur Agalawal, c'est ça en fait, faire l'humour justement en dénonçant l'état de la société, ouais. Notamment le coût élevé des factures CIE, et des guerpissements récents, les coupures d'électricité répétées, avec un humour désinvolte, original et surtout impressionnant. Il a su captiver son public avec des anecdotes humoristiques du début jusqu'à la fin du spectacle. La salle, je ne vous dis pas, elle était pleine à craquer et l'ambiance à son apogée. On va profiter en même temps pour remercier aussi Abraham le Merveilleux, notre chroniqueur à Madame Monsieur Bonsoir, qui a joué le rôle de DJ de l'ambassade. Franchement, et aussi Président Vescaï qui a assuré la première partie en présentation. Franchement, c'était top. Un blending, comme je vous ai dit, d'humour, de musique et de danse traditionnelle. Chapeau. Et puis, je pense que sur la toile, tout le monde est unanime que c'était vraiment un spectacle. Ah bon. Ouais, cool. Les gens ont ri. Jusqu'à demain matin, franchement. Ce qui est bon dans l'humour, tu peux dénoncer et puis bon, ça va pas quelque part. Parce qu'il y avait même des personnalités politiques, ouais, tout ça, donc moi j'ai vu le justement, l'air. Voilà. C'est ce qui est bon dans l'humour, en fait. C'est ça la force de l'humour. De l'humour, voilà. Et voilà. Ce que nous, on peut dire, oh, si Lynn, par exemple, dit, ils vont l'attraper. Nous, on peut dire, oh, c'est l'humour en train de... Baissez un peu le bête, s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression que je n'entends pas bien ce qu'elle a dit. Voilà, merci beaucoup, Adaï. Merci, Adeka. Et on va enchaîner pour le dimanche 9 juin. Toujours dans la même salle, c'est-à-dire que quand Agalawal est parti, je ne sais pas s'ils ont pu débarrasser ou bien ces mêmes baffles, ils ont pris pour jouer. En tout cas, Guy, Chris, Israël, et puis je pense que ce sont les mêmes équipements. Ils se sont entendus avec le promoteur qui est Willy Dombo, anyway. Mais il faut dire que cette fois, il a fait le Palais de la Culture. Il a dit c'est ici, sur notre plateau. Et c'est la première fois qu'il se produit au Sofitel Hôtel Ivoire, une salle si prestigieuse. Et il le disait lors de son spectacle, il a prié, il a demandé à Dieu de faire plus que ce qu'il a eu à faire jusqu'à présent dans sa carrière. Et bim, il reçoit un appel de Willy Dombo qui lui dit « Grand frère, je veux faire ton spectacle. » Et il a dit « Gloire à Dieu. » Et franchement, Dieu s'est manifesté. Et on a vu, la salle était pleine à craquer des émotions. Quand je vois Marie-Josée Talou se mettre à genoux en train de prier, en train de pleurer, je me dis « Mais waouh !» Tu vois, maman Geneviève Brou qui vient aussi apporter son soutien, papa Onel Mala, tout ça, en résumé, c'était un concert exceptionnel, spectaculaire, avec surtout des effets spéciaux et des jeux de lumière qui ont su transcender le public. Très, très belle scène. Félicitations Willy qui a organisé ce spectacle. Félicitations aussi à Guy Chris Israël.
Comme quoi, on dit qu'on ne poursuit pas plusieurs lièvres à la fois, mais quand tu es bien organisé, tu peux le faire. Et Willy Dombo, il a réussi si bien. Bravo encore à l'artiste Guy Chris Israël. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres événements. D'accord. Merci à vous pour ce retour de week-end. Je crois que celle qui va prendre la main, enchaîner en même temps, pour un coup de gueule, c'est Miss Adaye. D'accord. Mon coup de gueule de ce soir, je ne vais pas crier fort parce que je vais parler à mes collègues, on va dire ça comme ça, les chauffeurs de Gbaka. Vous savez que sans vous, on n'est rien. Sans vous, on ne peut pas venir au travail. C'est grâce à vous, on vient au travail, mais pardonnez. Souvent, quand vous sortez et puis vous dites non, à jamais liberté, pardonnez, prenez vraiment liberté. Parce que dans un même Gbaka, vous prenez liberté, vous prenez la gant, vous prenez Sikoji, vous prenez tout. Et puis, arrivant au milieu, vous nous vendez. On n'est pas des poissons, on ne peut pas parler fort aussi. Pourquoi vous allez vous fâcher? Donc, essayez de voir ça, hein. Et soyez honnête un jour. Ça fait rien, ça coûte rien d'être honnête. Si vous êtes honnête, Dieu même va vous bénir. Vous n'êtes pas fatigué qu'on crie sur vous tous les jours. Et comment dans un même Gbaka, il y a toutes sortes de passagers dedans. Et puis après, vous nous donnez 200. Souvent, vous voyez les gens dans la rue, ils sont habillés, vêtus, parce que non. Madame, donne-moi ça, frère, parce que c'est un médicament. Ce n'est pas un médicament, il est en train de faire. Le gars, apprenti l'a déposé quelque part. Il n'a plus l'argent pour continuer. Il est obligé de demander 100 francs là, pour continuer, compléter son transport pour avancer. Donc, essayez de voir la partie. On ne sort pas avec l'argent comme ça. Donc, on sort et puis on calcule. Mettez-nous à destination, je vous en prie. Et puis, je vais m'adresser aussi au apprenti. Monsieur l'apprenti, toi qui me regardes, pardon, fais à côté de toi. Il faut éviter de nous associer. Pardon. Quand je venais, ils ont associé un Youbi et puis un pasteur. C'est pas bon, hein? Ah. Ils se sont battus là-bas au carrefour de la ville. Un Youbi et puis un pasteur. Ils chantent le feu, l'autre, qu'est-ce qu'il y a? Pardon, c'est quoi le feu? Ils se sont battus là-bas. Pardonnez, évitez ça. Comment tu peux associer Youbi et puis un pasteur? Tu veux faire quoi? Un Youbi. C'est la même chose, vous avez compris. Ils l'ont associé là-bas. Lui, il a lancé le feu, le feu. Quand vous allez voir les pompiers là-bas, hein? Ils ont lancé le feu, le pauvre. Il est lâche qu'on ait mes droits. Alors lâche qu'on ait mes droits. Il lui a donné la monnaie. Je connais. Je suis partie, je devais venir au travail. Je devais venir. Donc je n'ai pas su comment ça s'est passé. Vous avez beaucoup d'expérience. Oui, vous connaissez les Gbaka. Disons-nous, hein. Si on ne connaît pas trop votre vie. Non, lui, il connaît. De nous. Non, c'est vrai. Le gars a dit je connais mes droits. Alors là, je vais porter plainte. Je connais mes droits. Le pasteur, là, le feu. Vous allez tuer enfant des gens. Pardonnez. Tout ça. Les apprentis Gbaka et pitié. Évitez de nous associer souvent. Merci. Pardonnez. Merci beaucoup. C'est mon coup que je n'ai pas parlé fort, j'espère. Tu as parlé un peu. Okay. Fort, mais toi, tu as quel problème? Elle n'attendait pas la partie là. C'est ça. Pourquoi tu vas te faire pour faire le ticket? Yanni! Concentre-toi! Ok. En fait, imagine la scène. Imagine la scène. Je connais mes droits. Je connais mes droits. Alors ça, je vais porter plainte. Le gars, il a le feu. Selon les gens qui... Attention, s'il vous plaît. Les couleurs de Membe derrière. Vous interdisent de trop parler. Continuez, monsieur. Merci. C'est pas bien. Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'émission qui vous ressemble et ça m'a traversé son contenu. J'espère aussi que de bonne humeur. Détends sur vous là où vous nous suivez. C'est comme ça par ici. Il n'y a que de la place pour l'amour, pour la joie, que du bonheur. Ici, là, même, on rit tous les jours. Je vous ai dit, le port du sourire obligatoire. Mais si tu viens fâché, il dit, j'ai arrêté de sourire. Comment ça n'associe le pasteur? J'ai une méchante même. Oh. Allez, on va maintenant installer notre invité. Génératrice de revenus, pour elle, le bonheur, c'est d'abord le travail rédempteur. Cette devise de sa vie n'est pas en vain mot, car elle fait partie de ces artistes africaines version mandingue qui se sont investis profondément dans la valorisation du potentiel musical. Entendez par là, artistique, culturel, danse, chorégraphie dramatique, chansons de recherche, composition du continent africain. Famille, merci d'ovationner très fort Maté Keita. Ah, elle est sapée. Solo, faut être faire solo. Solo, solo, solo.
jefari solo solo kakuma machia akake wali nyuma kashia kashia solo n'est pas dans foutaise son bara nyuma kashia kashia solo n'est pas dans papato yao c'est un kamele mbasa bunyuma okuma ema famwa nine kamele bayai a solo 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 jefari solo en vrai kamele mba n'est pas égoïste. Savoir ce qu'on veut. Olé, comme elle est maillée. Savoir s'assumer. Olé, comme elle est maillée. S'occuper de sa famille. Olé, comme elle est maillée. A solo, 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 t'es fallu solo. A solo, 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 t'es fallu solo. Fari, soulevez les mains. Les hommes battant haut, soulevez les mains. Tu veux prouver, allez, faut prouver. Prouver, 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 prouver. DJ, prouver, 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 prouver. DJ, prouver, prouver. Tu as compris ce que c'est qu'un kamelemba. Un vrai kamelemba, il est silencieux. Ah, Fakoline, souva, souva, souva. Ok, Keïta. Bravo. Bien, je te raccompagne. Wow. Bravo. Oh, mais... Il a tué. Tu vois comme ça, le menu, mais bouge. C'est clair. La elle est bougeante. Oh, véritable c'est... boule d'énergie. Maté est avec nous. Je... Oh non. Non, yeah. Non, il va faire. Et puis, tu es battu maintenant. Non, ça, là, elle est habituée. Toi, tu peux pas faire ça. Moi, mais je peux pas. J'ai dit quoi? Est-ce que j'ai dit un peu? Voilà, non. Non, mais c'est vrai, je me suis toujours posé cette question-là, en fait. Mais comment vous arrivez à trouver l'énergie pour à la fois danser, voilà, et chanter? Vous voyez, entretenir le public en même temps. C'est le travail. C'est ça. C'est quoi la stratégie pour mettre le souffle? Du lundi au samedi. Oui. Mmh. Danse. Donc, on danse, on chante. Chant, théâtre. Wow. Moi, ce que j'ai fait ici, là, c'était pas facile. C'est mon sport de 2 semaines comme ça. Mais tu as tué. Tu as tué. Tu as tué. Vous voyez, vous me négligez dans cette émission. Dans la danse. Pardon. J'ai pas fait de progrès. Pas toi, tu as beaucoup de progrès. Quand même. Ça, il faut l'avouer. Moi, je vous épate ici. Hein. C'est oui. Pas que je cache mon talent. Moi, je n'ai pas encore. Faut pas cacher. Ah bon? Faut pas cacher, il faut montrer. Parce que si elle fait, c'est vrai, on commence à dire en cas. Alors, vous m'avez une fois de plus bienvenue. Merci. Mais où tu étais tout ce temps? Je suis allée voir un peu l'autre pays. Parce que je suis ivoiro-guinéenne. Oui. Père guinéen et mère ivoirienne. Mais née ici. Ça va là-bas? Grandi ici, oui, ça va. La famille va bien. Tout le monde va bien. Ça va. Alors, ça raconte que tu as pris ta retraite. Est-ce que c'est vrai? Mais non. Pas du tout, alors. Mathieu est dans le théâtre, la danse, le chant, en même temps. Donc, des fois, le théâtre prend le dessus. Et je suis maintenant formatrice. Donc, du coup, la musique, parfois, voilà. OK. D'accord. Je mets un peu de pause. Et justement, parlons de théâtre. On voit que vous tentez, en tout cas... De faire des mises à jour, de remettre ça au goût des Ivoiriens, tout ça. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qui a manqué, au fait? Qu'est-ce qui a créé cette cassure? Parce qu'à une époque, on parlait vraiment, on disait, non, on parle d'un spectacle de théâtre ici. Et puis, pouf, tout s'est arrêté. Vraiment, pourquoi théâtre est tombé? Oui, j'ai rien compris. Personnellement, j'ai rien compris, mais bon.
Il faut que, je pense qu'il faut vraiment ramener ça. Mm-hmm. Il faut que ça revienne parce que on a besoin de ça. À travers le théâtre, bon, Père à son âme, mon mentor, Suleiman Koli, oui, le disait toujours, lui, c'était son combat. Il dit, c'est éduquer la société à travers le théâtre, la ça culture passe en général. D'ailleurs, lui, il a bon combat, alors que Mabio, c'était Ulrich Jordan. Voilà. Chacun a son combat. Chacun a son combat. Éduquer la jeunesse par le théâtre. Ouais. Quel long combat. C'est que, mais parlons même d'école aujourd'hui. Moi, on parlait aussi, il y a une très belle époque où on parlait de Rosemary Guiraud, Père à son âme. On parlait de la formation qui, on parlait de Go du côté bas, tout ça. Ouais. Il y avait tout ceci et puis vous nous avez laissé tomber. Aujourd'hui, même quand tu demandes à un enfant c'est quoi l'ongoli, il te demande, il te regarde, pas. Pas, il ne connaît pas c'est quoi. C'est vrai, donc, c'est dommage. Oui. Du coup, c'est dommage. Est-ce que ce n'est pas vous qui n'avez pas fait un travail de fond avant de quitter la scène? Non, on a fait ce qu'on pouvait, mais je pense que c'était un travail. Il fallait que ça continue. Ça s'est arrêté, malheureusement. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il faut le reprendre. Ils n'ont pas expliqué. Parce que toi-même, tu as laissé ça, tu es parti en Guinée. Ah. Non, mais en Guinée, je continuais. Mais qui va faire pour ici, former là d'autres jeunes là-bas. Moi, c'est dans un pays. Tu nous laisses du temps là-bas. C'est ça qui a fait. Il fallait que j'aille aussi prendre un peu là-bas pour. Ah. Donc là, tu es de retour avec. Est-ce que l'école de formation se fera ici aussi? Oui, c'est un projet. D'accord. Oui. De toute façon, ça, c'est un projet lointain. Ah. Non. Combien du de, tout. De, là, je. Bon, je ne peux pas donner de date, de deadline, mais c'est un projet. Un projet. Vraiment. Mais j'y tiens. Pour la CAN qu'on a vécue, est-ce que tu as eu un apport spécial, particulier dans l'élaboration de la... Non, du tout, parce que j'étais en Guinée. T'es pas là? Non, j'étais pas là. Non? J'étais en Guinée, oui. En Guinée. D'accord. Et aujourd'hui, quelle relation? Un deuxième pays. Il y a un petit foyer là-bas. Et il n'est pas le seul à me poser la question. Il y a un petit foyer là-bas. Il y a un petit foyer, c'est clair, c'est sûr. Il y a un petit foyer? Non, le foyer, il est parti d'ici pour aller en Guinée. Donc, tu as suivi le foyer? Je savais, il était dit. C'est le foyer qui m'a suivi, hein. Ah! Le voyage aussi, hein? Ah, l'amour, c'est quelque chose, hein? Et que toi, mets de proche de toi pour te voir ailleurs. Et puis, ça va, hein? Et puis, ça va, hein? Faut croire. C'est qu'il faut croire. Alors, sinon, quels sont tes rapports aujourd'hui avec tes binômes de côté bas? Oui, mes petites sœurs, elles vont bien. Bon, le foyer nous a séparés, malheureusement. Oh. Et si on s'était toutes mariées en Côte d'Ivoire, peut-être que le groupe serait encore là, mais malheureusement. Donc, une au Japon, l'autre aux États-Unis, moi ici en Afrique. Une au Japon? C'est compliqué. Japon, mais le monsieur là, il est méchant. Il côté a bas, côté... au Japon. Côté bas, il y a, on a plaidé, hein. Après le mariage, on a plaidé. Donc, tu ne peux pas la laisser. Dit, Japon. Japon, mais et puis États-Unis. Oui. Donc, il y a oui deux côtés bas qui sont allés côté haut. Voilà. Côté bas, voilà. Okay. Ici, d'accord. C'est bon, mais c'est bien dit. C'est équilibré. C'est clair. Alors, qu'est-ce qui, moi, je vais dire déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie avant de partir pour le medley, s'il y en a, ou fait le débat. On va aller pour le medley. D'accord. Avant de partir au medley, rapidement, d'entamer le débat, je vais savoir qu'est-ce qui te donne envie de continuer jusqu'à présent quand on sait que cette partie du volet artistique n'est pas assez valorisée pour me permettre de comprendre pourquoi elle a commencé derrière la musique. Ben moi d'abord, c'est par la danse. C'est par la danse que j'ai commencé parce que, bon... J'ai vraiment aimé ce métier. Je l'ai vu à la télé, j'ai dit à ma mère, bon, je vais faire partie du côté bas. Et l'amour pour la chanson était là, déjà là, parce que j'étais très télé. Je regardais tout ce qui passait à la télé, peu importe le genre, je regardais. Et c'est vraiment au côté bas que j'ai... Suleiman Koli m'a donné l'amour du théâtre, en fait. Pourquoi? Parce que je suis arrivée au côté bas, j'étais analphabète. N'ayant pas fait l'école, le théâtre, je n'y pensais pas du tout. Waouh! Voilà, je n'y pensais pas du tout. Et ayant vu vraiment cette envie que j'avais d'apprendre, il m'a acheté un dictaphone et comme ça, je faisais enregistrer les textes qu'on nous distribuait par mes aînés qui avaient le niveau bac, un BPC, etc. Et moi, j'allais bosser mes textes après. Waouh! Et je me suis tellement sentie dedans parce que les pièces théâtrales de côté bas, ça te parle toi-même d'abord, avant de sensibiliser les autres. Donc, du coup, le théâtre, j'ai appris ça à bras le corps et ça m'a permis de perfectionner aussi mon français. Mais c'est excellent aujourd'hui. Ouais, pour quelqu'un on dirait pas, moi tu m'as dit ça, j'ai dit non. C'est vrai. Ouais, c'est parce clair que j'ai croisé deux étudiants vers l'université, là, franchement. On aurait dû les déscolariser. Voilà.
On va les recycler. Donc, en gros, ils doivent aller au côté bas. C'est l'amour du métier. C'est plus que c'est toute votre vie qui se résume à l'art, en fait. Oui. Ok. Oui. Donc, avec vous, on va pas envisager une retraite là tout de suite. Hein. Ah non, 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 non. Parce que là, c'est un sacerdoce. Le vieux n'est plus. Là, c'est un héritage commun que nous portons toutes, tous. Parce que les côtés badins sont à travers le monde entier. Oui. Et chacun essaye de porter cet héritage-là à sa façon. Oh, non bougie. C'est clair. Les jeunes l'attendaient un peu. Alors, pour cette nouvelle génération, on vous donne l'occasion de savoir un peu qui est notre invité ce soir. Appréciez ceci. Tu nous as donné espoir, donné le savoir, Baba. Tu as formé les hommes pour servir les nations. Keïta est notre invitée de ce soir, vraiment ravie d'être en compagnie d'une amoureuse de l'art et de la culture. Ça fait vraiment du bien, ça rafraîchit, ça rappelle à quel point, je vais dire, la culture en fait a du poids et puis est importante encore. Il faut toujours continuer à fleurir, à arroser, parce que franchement, on ne peut pas laisser, vous voyez, tous nos instruments traditionnels comme ça mourir, quoi. Ouais. Tu demandes, on va demander même à nos arrangeurs, si vous avez quelques artistes qui viennent vous voir, essayez de continuer à instaurer de temps en temps comme ça. Il faut proposer. Il faut proposer. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis beaucoup dans la formation et pas mal de jeunes rappeurs ou voilà, ils font du R&B, me demandent conseil. Ah, tata, qu'est-ce que tu penses? J'écoute, puis je dis, bon, il manque le son d'un instrument traditionnel. Mm-hmm. Ne serait-ce qu'un seul instrument. C'est ça. Mais voilà, ça change quelque chose. Mais hip-hop, la mère, ça peut faire les... Merci. Tout peut s'adapter. Il a fait ça. Tout peut s'adapter. Si, son, c'est possible. Comment ça s'appelle, là? Ah, je vois. Ah, mais c'est vrai, il y a même Smati qui a Shogun, fait là. Ne parle pas de tes problèmes. Je crois qu'à la fin. Eh ben voilà. Même le Shogun, là, il a fait, là, c'est purement avec les balafons, les mbala. Non, il faut revenir. Les gens qui sont chez eux pour venir apprendre ça ici, et nous, on délaisse. Laissons les tout. Allez, Deka, on va le louper après l'émission. On va se concentrer sur le débat. C'est parti. Obligé que les beaux-parents préviennent avant une visite. Maté, qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, ça dépend. Si c'est des beaux-parents qui ont l'habitude de venir et aller, est-ce qu'il faut chaque fois qu'ils doivent venir, qu'ils demandent? Et ça va de soi. Je viens chez toi, bon, j'appelle quoi. Moi, je pense que il n'y a pas de débat. Tu es là même juste pour te dire... Parce que tu peux manquer la personne, tu peux ne pas venir trouver la personne chez elle. Donc, la moindre des choses, c'est de dire, j'arrive. D'accord. Tony? Non, moi, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme ça. Hein. Les beaux-parents, c'est nos parents. Ils peuvent venir chez nous. Une visite comme ça, inopportune. Oui.
Mais ils sont toujours les bienvenus. Parce que vous savez, on en Afrique aussi, souvent aussi, avant quand tu allais au village comme ça, quand on te voit, tu arrives, il n'y avait pas de téléphone. Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour dire que tu as appelé ton parent? Quand tu arrives comme ça, depuis la tour du village, Kwadjombali, à la maison là-bas, mais tout le monde est content, tout le monde est en joie. Et on t'accueille, ça fait plaisir, ça fait un effet de surprise, surtout quand la maman vient. Et nos parents ont toujours su qu'il fallait toujours mettre un petit repas à côté. On ne sait jamais, il y a un invité qui peut venir même à minuit. C'est ce que ma grand-mère disait. Oui. Mais cet invité, elle n'a pas prévenu. Il peut venir comme ça, il est dépassé, il peut venir. Donc, franchement, pour les beaux-parents, ils sont toujours les bienvenus chez nous. Qu'ils préviennent ou qu'ils ne préviennent pas, ce n'est pas ça le plus important. Et qu'est-ce que tu fais du respect de l'intimité? Mais je te parle de tes beaux-parents qui sont le père ou bien la mère de la personne avec qui tu vis. Donc, quand tu parles d'intimité, oui, on a notre intimité à nous, mais est-ce que le fait de venir, ça brise notre intimité? Non, mais ça nous permet peut-être de préparer le terrain avant qu'ils arrivent. Si nous, oui, ça serait l'idéal, de préparer le terrain avant qu'ils n'arrivent. Mais le fait qu'ils arrivent comme ça, qu'ils ne préviennent pas, ça ne veut pas dire que tu peux quand même mal les recevoir. Ou bien si ta maman, la maman de ta femme dit qu'elle est devant la porte, tu vas lui dire, quand tu ne m'as pas prévenu, il faut retourner. Non. Tu ne peux pas lui dire ça. Non. Donc moi, je pense qu'on est en Afrique, il ne faut pas trop institutionnaliser les choses. Ça fait partie, c'est vrai, du savoir-vivre, d'annoncer à quelqu'un qu'on va chez lui quand on n'est pas parent. Mais un parent, il peut toujours venir chez toi quand il a envie de te voir. D'accord. Et surtout que c'est le père ou la mère de ton conjoint ou de ta conjointe. Je ne pense pas qu'il te veut quelque chose de mauvais. Okay. Justement, c'est pour... On a monsieur Konaté au téléphone et après lui, on va prendre l'avis de Adaï. Monsieur Konaté. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous dire merci de m'accueillir dans votre émission. C'est chez vous. C'est la première fois et je suis très heureux de participer. Oh, on est très heureux de vous recevoir. On a été maintenant. Et le sujet, il est tellement intéressant que je me suis permis d'appeler pour pouvoir intervenir là-dessus. Intervenir maintenant. D'accord. Voilà. Bien permis. Comme on le dit, le frère a dit, nous sommes en Afrique. Mm. Et en Afrique, tout se fait avec protocole. Un beau-parent ne peut pas se déplacer pour arriver chez son beau-fils sans qu'il l'informe que j'arrive. Pour que le beau-fils puisse préparer son arrivée. Enfin, imaginez un instant, mon beau-père arrive chez moi. Je ne suis pas au courant. Il n'y a rien à manger. Ou du moins, on n'a rien préparé de trucs pour la nourriture. Ou ce qu'on a fait, c'est juste pour deux personnes. Ça sera un peu dévalorisant pour moi. D'accord. Donc, il faut que je prépare l'arrivée de mes beaux-parents. Donc, il faut que je sois informé de l'arrivée de mes beaux-parents. OK. C'est bien noté. Maintenant, s'il vous plaît, je voudrais profiter de votre antenne pour saluer maman Maté. D'accord. Je la connais particulièrement parce que je suis le grand frère de l'un de ces artistes avec qui elle a travaillé, Marius Cocody Johnny. Oui, d'accord. Je suis le grand frère de Cocody Johnny. Et voilà, je tiens à te dire merci, maman. Merci pour tout l'amour que tu lui as apporté. Merci malgré qu'il t'a fatigué en Guinée là-bas. Ah, bon, ça. Merci à toi. Merci. C'est ça le rôle merci aussi d'une mère. Merci bien. Alors, d'ailleurs, rapidement. Interviens avant que je prenne M. Florent. Vas-y. D'accord. Donc, moi, je dis, pour moi, ce n'est pas non seulement prévenir. Il faut me donner la raison pour laquelle tu veux venir chez moi. Je m'explique. Parce que souvent, quand on se marie, les gens ont tendance à confondre les choses. C'est vrai que je me suis mariée, oui. C'est avec votre enfant, je me suis mariée. Mais il ne faut pas laisser les choses. Parce que c'est donc comme ça que tu vas laisser un bon matin, tu vas quitter au travail, tu vas venir trouver, organiser une fête sans te dire. Parce que tu viens chez moi, supposons que le monsieur, il a dit, je ne suis pas là. On fait comment? Ou bien peut-être on est limité dans le mois, tu viens. Parce que les beaux-parents, ils sont très compliqués. Quand tu vas préparer, non, pourquoi il n'y a pas de viande dans ma sauce? Pourquoi ma sauce, ça c'est vide? Après, ça va dire gâteau mon nom au village. Donc, quand tu dois arriver, tu me dis, ah, je viens faire tel jour chez toi. Et là, comme ça, je me prépare. Si je sais que peut-être on avait pour habitude de faire peut-être 10 000 fois 20 par mois, on augmente, mais tu ne peux pas débarquer chez moi parce que, soit disons, je suis ta belle-fille. Je suis désolée. Et des fois, quand ils viennent comme ça. Non, ça ne veut rien dire, mais moi, c'est ma maison. C'est lui, il est marié. C'est avec moi, il s'est marié. Aïe!
Je suis la femme, on est d'accord. Donc, quand tu viens, tu me dis, de un, pourquoi tu es venue, la raison de ta vie, tu me dis. Toi, tu t'es prêt. Et puis, on se dit que peut-être que tu viens. Tu laisse-moi, mais ça va. C'est un moment de qui tu as demandé ça. Non, attends. On se dit souvent que peut-être que la maison, peut-être c'est deux chambres, ou bien une chambre salon. Moi, je ne sais pas quand tu dois venir. Et moi, peut-être, je fais venir peut-être une de mes soeurs, on ne sait pas, la personne dort dans la chambre. Donc, tu arrives comme ça. Mais elle sort de la chambre. Pourquoi? Mais est-ce qu'il m'a pris? Est-ce que peut-être ta maman me trompe? Il m'a pas dit, donc, je ne veux pas demander à la personne, sors. Or, quand tu prends la peine de dire à quelqu'un, ah, je viens chez toi, on sait au moins que telle personne arrive. On essaie de prendre au moins les précautions. On essaie d'arranger peut-être la cour, tout. Donc, non, tu as raison, c'est que tu dis. Mais ce n'est pas obligé. Non, je suis pas obligé de te donner la raison. Tu l'as mise au moins, le reste, à ce moment, je m'occupe. Elle va te donner la raison de ta venue, pourquoi? Non, mais tu vas me dire pourquoi tu viens chez moi. Tu ne viens pas chez toi, elle vient chez son fils. Elle vient chez son fils, grave. C'est moi-même qui autorise ça. Merci. On a Florent au téléphone. Florent, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Florent. Adèle, bonsoir. Bonsoir, monsieur Florent. Bonsoir. Notre invité, vous êtes sensationnel, bonsoir. Merci. Bonsoir. Monsieur Florent. Alors, aujourd'hui, c'est de nos jours que le veau a perdu sa valeur de veau. C'est ça. Et nous, on dit que le visage du veau, c'est comme le soleil au couchant. On ne peut pas regarder ce verre deux fois. Cela veut dire quoi? Le grand respect envers les veaux fait qu'on a tendance à ne pas pouvoir regarder sa figure. Et c'est ce qui nous caractérise. C'est en Afrique. Donc le veau peut pas s'emmener chez son beau-frère sans pouvoir prévenir. Ou bien chez sa fille, je préfère que ma fille est là-bas, dans sa maison, je dois prévenir. C'est aujourd'hui qu'on voit ça. En notre temps, sincèrement, le veau même manger devant son beau-frère, c'est difficile. Ça ne se fait même pas. On le cache, on le met dans la chambre et il mange seul. Vous voyez? Donc, aller chez le veau, il faut prévenir, comme on le dit. Parce que le veau, c'est votre chouchou, c'est votre... en tout cas, côté honte, il faut préparer son arrivée, chercher par exemple quelle nourriture, genre de nourriture à manger, il sera content de vous, tout ça. Il faut préparer ça. Mais s'il ne faisait pas ici, il s'amène subitement comme ça. Mais il y a des choses que le veau ne doit pas voir. S'il voit ça, c'est mais souvent, quand il vient être poulet du village, M. Florent, il n'y a pas. Même si vous n'avez pas préparé, lui n'est pas préparé pour manger. Non. Mais ça, ce n'est pas une histoire de manger. Vous savez. Dans la maison, il y a des choses qu'il ne doit pas voir. Non, M. Florent, souvent, les beaux-parents, quand ils viennent à l'improviste, c'est pour voir si le foyer est bien tenu. Merci. Parce que souvent, quand on t'informe que. On vient là. C'est là maintenant, elle va tout ranger. Il y a des belles filles qui sont très désordonnées, qui nourrissent mal les enfants là-bas. Et puis, elle voit son enfant maigrir. Un jour, elle débarque, elle veut voir comment ça va justement, se passer. Justement, Stony, est-ce que ce n'est pas un manque de confiance en leur belle fille? Merci, monsieur Florent. Merci bien. C'est pas un manque de confiance. Oui. Ça s'appelle, comment on appelle ça, la protection de l'enfant. Son enfant, elle est là dans le foyer, il maigrit. Un jour, elle vient voir ce qui se passe. Et elle vient voir la maison, elle est désordonnée. Elle dit, mais mon fils, tu as marié qui? Parce que si elle dit qu'elle vient là, elle va les mettre parfaits dans toute la maison, elle va bien arranger, comment elle va pouvoir voir? Donc elle vient à l'improviste, souvent c'est des tests. Et puis souvent, pourquoi les parents ne préviennent pas? C'est pour éviter tout ce qu'il a dit là, les cérémonies. Ça met trop la pression des enfants. Les parents souvent n'ont pas besoin de grandes choses. Ils vont aller dépenser, pour aller payer poulet, pour aller payer... Alors que lui, il a besoin juste de venir saluer. Souvent même, il vient même, c'est pour rester un jour, deux jours, il s'en va. Donc, ce n'est pas obligé. Oui, ça sera l'idéal qu'ils préviennent, mais il n'est pas obligé de prévenir. Okay. Je viens, maman, si tu es venu chez moi, tu plus préviens jamais. Ça, parce que de toute façon, tu es fatigué quand tu es petit, là, elle s'était prévenue. C'est quoi ça? C'est pas comme d'accord. Ça. D'accord. Alors, c'est pas un marché. Merci, on va conclure rapidement. Alors, Maïté, on va conclure comment? On n'a pas fini? Tu as entendu Stony, tu as entendu Adaye. Hein? Est-ce que tu maintiens ta position, tu dis, du fait que les beaux-parents doivent toujours appeler? Oui, moi, je maintiens ma position. Parce que comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Florent, il faut se préparer pour... Parce que, attends, c'est des personnes qui nous ont portés et qui nous ont donné la vie. Mm-hmm. Donc, il faut vraiment les recevoir comme il faut. Mm-hmm. Donc, vraiment, débarquer à l'impro, ça, c'est gênant. Ça moi, personnellement, je serais gênée. Mm-hmm. Oui. Mais est-ce que ça n'a pas cassé? Tu vois, un peu... Je vois une petite proximité entre tes beaux-parents. Ils vont se dire, toujours quand on vient chez ceux-là, quand on n'appelle pas, elle sait son visage. Ou bien, elle est toujours gênée. Mais Lynn, au-delà de ça, il y a l'effet de surprise
Tu vois pas ta belle-mère pendant. Elle vient comme ça. Tu es contente. Tu vas la recevoir. C'est une surprise. Ça c'est bon quand elle n'est pas loin. Bon, les week-ends, elle passe. Passe 2 heures du temps, 1 heure du temps. Viens chercher les enfants. Ça peut arriver. Mais où est la différence? Devant le portail. Ah, je suis devant le portail. Il faut m'ouvrir. Ça peut arriver. Oui. Mais là, quitter au village, là, comme pourquoi ça... Pourquoi vous pensez que nos bons parents forcément vivent au village? Nos bons parents forcément vivent pas au village? Je sais, ou bien c'est la belle-mère qui vit à Cocody. Je suis à Dabou, il faut qu'ils préviennent. Pourquoi? J'ai passé chez mon fils un jour, là, souvent, c'est pas pour rester, hein, parce que vous, dans votre entendement, quand on dit les beaux parents chez vous, vous voyez les gens qui viennent, les baluchons, tout ça, là. Non, c'est pas forcément ça. On est dans une société moderne. On dit le beau parent même. On laisse côté beaux parents. Moi, mais si je vais chez toi sans te dire ça, tu vas pas. Toi, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Mais d'où ça peut pas de beaux parents. Parce que ça, c'est dire on laisse ce côté. Ça peut te dire que beaux parents, mais ça veut dire qu'il ne vient pas là. Quand il rentre, il t'appelle machin. Je suis pas loin de chez toi. Je peux passer. C'est tout. Je suis là ou je suis pas là. Et là, c'est pour juste 30 minutes. Il vient juste pour 30 minutes là ou 1 heure. Enfin, juste de passage. Ah, matin, même elle est. Il y a 30 minutes de passage. Non. Je vais te faire un exemple. Il dit pas pourquoi je suis venue. Un exemple que je. La même grâce à qui tu as eu ce monsieur. Non. Parce qu'on a parlé de se préparer. Moi, ma fille, elle a me fatigué là. Tu as raison. Demain, elle va me dire ça. Elle a sifflé 5 fois. Papa, préviens-moi quand tu viens. Ne débat pas l'improviste. C'est pas une machine qui vient. C'est pas une moulée. C'est pas une machine. Tu ne reviens pas au toi ou ta femme. Vous êtes en mission. Il va dormir où? Mais il me retourne. Si tu viens que ce n'est pas une mission, ça c'est ton problème. Il faut appeler pour si on doit appeler. Ouais, pas de problème. C'est vous qui payez mon transport. C'est nous, on te reçoit. C'est pas nous, on paie, mais c'est nous, on te reçoit. Point bien. Donc, appelle avant. Je vais me fatiguer. Tu viens que moi, mon mari, on fait les choses la nuit. Attends, je viens de casser la nuit. Parce que c'est compliqué. Ah, j'ai pas la nuit. Mais on peut faire ça à midi. Mais tu viens, c'est compliqué. Tu viens nous couper notre inspiration. À midi? Oui. Mais je vais attendre devant la porte. La réponse à tout. Mais je réponse à tout. Il y a vos paroles. Merci. Alors, c'est fini pour le débat. C'est comme ça par ici, pour ceux qui nous découvrent, ici c'est toujours chaud, il y a toujours de l'ambiance sur ce plateau. On a fini le débat et comme quoi les goûts et les choix ne se discutent pas, libre arbitre à vous. Si vous trouvez que c'est pas obligé que vos beaux-parents appellent avant de venir, bon, ça n'engage que vous. Allez, on part maintenant chanter avec Stony. Bien comme ça, hein? Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre rubrique Chante avec. Je suis Stony, votre humble serviteur. Et c'est tout le temps un plaisir le lundi soir de me retrouver et de chanter avec les populations. Là, nous sommes au marché de Cocovico à Ingré et on a décidé de chanter avec DJ Léo. Il dit, tant que tu peux, il faut aider. Si tu es là, il faut aider. Il ne faut pas être méchant. Qui n'a jamais mangé, c'est les gens haut. Qui n'a jamais dormi, c'est les gens haut. En tout cas, moi, je dis, c'est les gens haut. Tout ce qui s'est mangé, dormi, oh. Il faut que je vous dise merci, oh. Iye. Omao. Omao, Yeah. Yeah, oh, Kagu, ça va? Dado. Iye. Aujourd'hui, s'il y a le sourire, c'est pas parce qu'il y a réussi, mais j'arrive à me nourrir et j'ai un toit pour dormir. Iye. Omao. Iye. Iao. Maruo. Iye. Yeah,
Mon épithète est gonflé, oh. Du fond de Dieu, tu es dangereux, oh. Tu m'as dit quand même un témoin, oh. Que c'est lui-là qui peut t'aider, oh. Il faut aller, il faut aller, il faut aller comme Didier Drogba. Il faut aller comme Samuel Détho. Il faut aller. Il faut aller comme Didio Didio. Il faut aller. Comme Ibrahim Magasa. Ibrahim Magasa. 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 Mais c'est le contourneur. Il est. Il est. Romao. Il est. Il est. Romao. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis pour ce numéro de Chante avec. On vous souhaite de passer une très belle soirée sur les antennes de RTI 2. C'est à moi, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Stony, c'est chanteur. Ça serait. Et surtout la danseuse. Hein. Là, elle est la danseuse. Ah, non, non, non. Elle ne se laissait pas faire. Hein. Alors, ainsi pour enfin notre émission, Maté, on espère que tu as aimé. Oui, vraiment. J'ai passé un très bon moment. Je me suis bien marrée. Et comme j'aime rigoler, là, j'ai été servie. Dans la chanson, tu veux faire comme solo. Tu as dit, si tu veux être un calme, il ne faut pas dormir. Comment on dit? Tu veux qu'on calme un. Tu dis quoi, même? Si, elle a dit que tu veux un calme bas. Kamalemba, 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 c'est, enfin, si on veut, parce que Kamalemba, c'est dans les deux sens. Kamalemba, il y a le mauvais et puis il y a le bon. Ah. Moi, le Kamalemba de mon papa, parce que j'ai dit, est solo. Solo, c'est Suleiman, en fait. La chanson lui rend hommage à travers lui. Ok. Je veux sensibiliser la jeunesse. D'accord. Voilà, c'est pas voir les téléphones des générations. Si vous voulez des solos, ne dormez pas, travaillez. Voilà. Restez éveillés à attendre demain le nouveau numéro de Madame, Monsieur, Bonsoir. C'est important. On vous aime, on vous adore, c'est fini pour aujourd'hui. C'était Madame, Monsieur, Bonsoir. Allez, au revoir.